Sur toute la planète, les gens ne reviennent pas. En Jamaïque aussi, le bon a une équipe. Salut Internet! Moi c'est Stéphane! Moi c'est Christophe! Mais tu peux nous appeler Stéphane Chris! Yeah man! On va parler d'un film qu'on adore tous les deux. Rasta Rocket Man! Yeah! Cool! Cool! Sorti le 13 avril 1994, Rasta Rocket raconte l'histoire vraie de l'équipe de la Jamaïque de bobsleigh qui a participé à l'épreuve des Jeux Olympiques. Cool. En 1988, yes. À Calgary. Yeah man. Arrête. Ouais. Arrête. Le ski et les sports d'hiver en général sont très peu pratiqués par les Noirs. Ce qui crée un décalage humoristique et cocasse. Et cocasse. Yeah man. Mais y a-t-il vraiment des sports de Noirs et des sports de Blancs? Non. Vaste question. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Cela serait raciste de le penser. Oui. Et nous ne sommes pas racistes. Non, nous ne sommes pas racistes. La preuve, nous aimons beaucoup Sister Act, par exemple. Oui, avec Whoopi Goldberg. Whoopi. Comme je le disais précédemment, le film est donc tiré d'une histoire vraie. En effet, en 1988, quatre athlètes jamaïcains ont fait du bobsleigh et ont participé au JO de Calgary. Lou. Picsou. Oui. À noter, une très bonne version française, oui. Puisque c'est Daniel Rousseau, qui double John Candy, l'entraîneur, et c'est Pascal Légitimus, l'année nulle, qui double Sanka. La glace, pourquoi pas? Hiver comme dans igloo, esquimaux, épingouin et glace. Sanka, t'es mort? Yeah man. Tu peux pisser maintenant. Toi, ciao. T'es pas obligé toujours de faire l'accent noir, c'est un peu raciste. On sent que t'es généreux, que tu les aimes les noirs. Tu les aimes les noirs? J'ai dedans. Mais ouais. Mais c'est... La glace, ouais, voilà. Ça c'est bien. Oui, non, ça c'est bien. La glace. Oui, la glace. Attention. Comme il s'agit d'un film Disney, on ne voit pas de drogue à l'écran. Et pourtant, ça se passe en Jamaïque. Le film est évidemment une critique acerbe du réchauffement climatique. On passe de la Jamaïque au Canada, et d'un coup, il fait plus froid pour montrer que plus on monte finalement dans le nord du monde, plus il fait froid. Il fait froid, mais pourtant... Et pourtant, au Canada, il fait chaud aussi. Aussi. Le réchauffement climatique est l'affaire de tous et ensemble préservons notre planète. Et a-t-on vraiment envie d'un monde sans orques, ni ours polaires, et ni de bobsleigh jamaïcain? Bobsleigh jamaïcain, je ne pense pas. Je ne le crois pas. Et sans cannabis. Non, arrête avec ça. La BO du film est portée par le chanteur Jimmy Cliff. I can't see clearly now the rain. I can't see clearly now the rain is gone. Je peux voir clairement que la pluie est partie. Ah, ça veut dire ça? Ouais. Donc la chanson parle donc de météo, ce qui appuie notre hypothèse et notre thèse selon laquelle le hypothèse. Film... Et notre thèse aussi. Selon laquelle le film évoque le réchauffement climatique. Et la drogue. Non, pas la drogue. Arrête avec ça. Non. Le saviez-vous, man? Pour la petite histoire, et même la grande histoire, aux Jeux Olympiques de Calgary, en 1988, le podium était constitué de l'équipe de trois équipes, oui, comme toujours. Oui. De l'équipe suisse en numéro 1, de l'équipe d'Allemagne de l'Est en numéro 2, et de l'URSS en numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on allait ? À la fin du film, le quatuor chute dans un virage. Pour autant, il se relève et passe la ligne d'arrivée, quand même. Peut-on pour autant dire qu'il s'agit là de la médaille du courage? Oui. Cette scène est d'ailleurs très émouvante. Et provoque des frissons chez le spectateur. Il y en a partout. Grâce notamment à la musique de Hans Zimmer. Un Allemand de l'Est. Ah, arrête. C'est une scène qui a vraiment eu lieu. Puisque c'est pas vrai. Si. J'ai lu ça. Puisque la véritable équipe de Jamaïque en 1988 a vraiment pas fini la course. Oui, a chuté et a fini la course à pied. Mais est-ce qu'à l'époque il y avait une musique de Hans Zimmer? Non, sûrement pas. Donc ça devait être moins émouvant. Et oui. Notre avis. Le film est cool. Super cool. C'est un feel good movie par excellence, puisque quand on le regarde, on se sent bien. Oui. On a envie d'être avec eux et de chanter avec eux. En Jamaïque aussi, le Boba, une équipe. J'adore cette chanson. Oui. On ne peut que trop vous le conseiller. Oui. Notamment puisqu'il est aujourd'hui dans le catalogue de Disney+. Donc vous pouvez le regarder gratuitement en payant 10 euros par mois. 6,99€. Si vous payez 10 euros, vous faites arnaquer. Tu payes 10 euros.
Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. Ainsi s'achève cette vidéo. Si toi aussi tu aimes Rasta Rocket, lâche un pouce. Si tu es déjà allé en vacances en Jamaïque, lâche un pouce. Si tu as déjà fumé de la drogue, lâche un pouce. Oh. Oh. Non, lâche pas de pouce. Si toi aussi tu aimes embrasser des œufs, lâche un pouce. Si toi aussi tu es un homme fier, fort, qui a la haine et qui n'accepte pas qu'on marche sur les pieds, lâche un pouce. Igloo, Esquimaux et pingouins et glace. C'est bien. Ouais, salut.